Kaiser von Kerstein, bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale pour l'analyse de jeux vidéo avec Total War Warhammer 2 qui voit enfin son premier trailer arriver, à savoir celui avec les Lizardmen, donc les hommes lézards en français. Donc, depuis la dernière fois, il y a quelques temps que ça s'est écoulé, on va dire, vous avez fait une vidéo trailer pour Total War Warhammer 2, qui c'était il y a environ un mois dans mes souvenirs, et je voulais vous remercier du nombre de vues que vous avez fait. Vous avez fait plus de 1500 vues depuis ce temps, voire un peu plus. Et c'est avec plaisir que j'ai envie de continuer cette aventure donc avec vous. Donc là on va revoir le trailer progressivement. Donc je couperai les moments pour essayer de vous montrer un peu les différentes unités qui vont arriver, ainsi que les différents pouvoirs potentiels. Donc voilà, d'abord ici on remarque alors des créatures volantes donc, qui ressemblent à des espèces de dinosaures. Ce sont bien des dinosaures, donc ce sont des ptérodactyles que vous voyez. Donc, sur leur dos, ils ont des petits hommes lézards qu'on appelle les Shings. Donc ce sont des petits hommes lézards très agiles, très rapides et tout. Et ils peuvent parfois tirer des sarbacanes. Donc là, ils dirigent leur monture, les ptérodactyles, donc pour essayer de venir en soutien à leurs armées de l'homme lézard depuis les airs. Donc on va voir ce qu'ils vont faire maintenant. Donc là on est dans un temple lézard, homme lézard ancien. Donc là on peut reconnaître la salle du trône où on a notre Slaan Mon'Zoumin qui est un grand prêtre de la seconde génération, donc un mage de la vie, qui est le dernier survivant de son temps dans mes souvenirs. Donc je crois que la première génération Slaan a été détruite complètement. Et lui il est le dernier survivant de sa génération. Donc il est assez puissant. Donc il a une puissance méditative assez incroyable. Donc à mon avis au niveau magie, il doit envoyer du lourd quoi. Donc à voir. On a également remarqué quelques hommes lézards hein, qui se étaient sous le en bas du trône quoi. Donc là, il est en train de parler sûrement des elfes sylvains. Et donc là, on voit une espèce de mise en situation, donc à savoir avec les ptérodactyles de tout à l'heure, qu'ils ont aussi une espèce de caillou à leur attaché. Je sais pas à quoi ça sert. Donc là on voit déjà, hop, vous voyez ici quelque part, je sais pas si vous verrez, donc à un moment vous voyez tous les régiments d'hommes lézards et de skins contre les elfes aux elfes du clan, pardon. Donc déjà on peut faire un gros panorama intéressant. Est-ce que quand je vois les hommes lézards en formation comme ça me fait plutôt penser au retour des formations, à savoir le mur de bouclier peut-être, ou une espèce de tortue, je sais pas. Donc là on voit, je sais pas si vous voyez avec la souris, mais on voit une espèce de créature là en bas. Apparemment ça ressemble à une espèce de blindé. Donc pour moi ça s'appelle un bastiladon. Donc c'est une créature qui ressemble un peu à nos anciens ankylosaures. Je sais pas si vous voyez un petit peu. En mêlée, ils sont assez résistants et ils font plutôt mal. Ils sont pratiques pour aussi faire des dégâts dans les formations d'infanterie, un petit peu comme Comment il s'appelle, les fanatiques gobelins qui perturbent les formations, et eux ils m'ont l'air plutôt pas mal comme ça. Ce sont les chars d'assaut, mais ça on peut dire. Donc là on voit que les ptérodactyles vont faire un contrebas, les archers aux elfes qui sont en train de tirer, et là, top, on remarque des balistes elfiques. Donc ces balistes-là, vous allez certainement les retrouver lors des hauts elfes. Hein. Donc là, elles sont très redoutables, elles sont vraiment bien stylées, le skin qui fait penser à un aigle. Et là on voit l'agilité incroyable des ptérodactyles des Sync. Et là on voit le commandant homme lézard, vraiment, qui est là, top, lâché de cailloux qui perturbe la formation de l'ancien elf. Donc là le général n'est pas content de cela, envoie les ailes traquer immédiatement les ptérodactyles. Et là la mêlée va faire rage entre les ankylosaures qui ont rompu la première ligne complètement. Et là, hop, on voit un petit panorama avec un duel niveau vitesse entre le ptérodactyle. Elles sont Sink-Kink, accompagnées de l'aigle du Tulane qui pourchasse pour essayer de le détruire. Donc voilà. Et là on voit, hop, l'intervention de la magicienne Wolf pour essayer d'étourdir ce ptérodactyle qui réussit son coup. Donc peut-être qu'on aura des sortes de confusion, je sais pas. C'est plutôt intéressant. Donc là on voit le skin qui se réveille. Top. Et là vous voyez le général Wolf de tout à l'heure. Hein. Mais là vous voyez derrière, je sais pas si vous voyez bien. Alors ils ont des épées à deux mains, pour moi ce sont des unités prestigieuses de Wolf, ce sont les maîtres des épées de Wolf qui sont très redoutables. Puissants bretteurs en mêlée, donc à mon avis sûrement des compétences anti-infanterie et perce armure. Donc là on voit la classe du général Wolf qui va tenter d'achever le skink. Sauf que il avait pas prévu ça. Bon bah bon appétit mon pote hein.
Donc là, c'est pas un saurus sur Carnosaure. Là, c'est pour moi, c'est autre chose. Je pense que c'est un troglodon qui ressemble un peu à une espèce de Carnosaure, enfin de Tyrannosaure, mais en version plus gros avec des plus grandes papattes. Bon, bah, ça c'est fait. Et là, on voit les autres créatures qui pourraient. Je voulais voir, je sais plus à quel moment. Attendez, je vais essayer de retrouver. C'était dans l'armée, ouais, je sais plus c'est où. Donc voilà. Je vois pas autre chose à dire. À part les Saurus et tout, les Croxigors potentiellement. Et je pense que peut-être dans l'armée, il y a peut-être aussi des unités qu'on n'a peut-être pas vues. Ce sont des Lions blancs de Shras, ce sont des unités à la hache. Donc voilà. Donc là, je remets un petit peu l'action. Hein. C'est vraiment épique. Hein. L'agilité de ces créatures, c'est impressionnant. Donc là, on a revu les dégâts, effectivement. Donc voilà, je pense que ce trailer est pour moi annoncé sur de bonnes choses avec les administrateurs qui, donc, à mon avis, ça va être une armée qui va se baser sur la puissance de ses créatures et son infanterie. Du soutien aérien plutôt intéressant, avec les ptérodactyles, certainement peut-être d'autres créatures. Et je pense qu'on verra bientôt toutes les autres unités au fur et à mesure de la progression du jeu. Donc les elfes qui sont très bien organisés en régiment, là, donc avec les archers qu'on avait vus, les balistes. Et à mon avis, qui envoie ses troupes de base d'abord, puis son élite en réserve, donc pour renforcer la brèche. On voit aussi le gros portail ici qui apparemment est utilisé par les elfes ceci là, donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Là je sais plus exactement, ne me demandez pas, peut-être que dans les commentaires vous saurez me répondre. Comment il s'appelle? Donc ce portail lumineux là, à mon avis, qui doit les elfes s'être protégés impérativement, donc c'est pour essayer de maintenir l'équipe dans le vortex en fait, pour éviter que le chaos arrive. Mais apparemment les hommes César croient que c'est le contraire et qu'ils veulent attaquer ces troupes elfiques et les repousser. Et éviter que peut-être que des forces du chaos potentielles venant du chaos bah, débarquent. Donc voilà, j'ai pas une grande connaissance non plus de cet événement du lore, mais bon, là je suis content de connaître quelques unités. C'était pour une deuxième vidéo d'analyse de jeux vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, ce que vous avez aimé, ce qui ne vous a pas plu. Vous pouvez lâcher un pouce bleu si ça vous avait aimé, bien sûr, donc n'hésitez pas. Donc si jamais vous voulez. Vous avez des questions que j'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Donc voilà. Salut à toutes et à tous, c'était Kaiser von Kerstein de Planète Total War. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir.